Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Stronghold. Ouais, je sais plus du tout ce que c'était la mission. Ouais, en gros c'était une bête mission, éliminer tous les ennemis, ok. Ça a au moins le mérite d'être clair, rapide et efficace. J'avais fait des bûcherons. Ouais, apparemment j'ai fait des bûcherons, je sais plus où mais j'ai dû en faire. Et les ennemis ils viennent de... ici? C'est tout. D'accord, ils viennent que d'un seul point, bah ça va pas être trop compliqué. J'espère. Ouais, si j'arrêtais de perdre mon village aussi, ce serait cool. La musique est vraiment sympa là, j'aime beaucoup. Bon, une des premières choses qu'il faudra que je fasse quand il y aura assez de bois, c'est une armurerie. Non mais sérieux, j'avais pas fait des bûcherons? Ah bah si, j'en avais fait. Mais ils sont où? Je les entends taper. Ah bah voilà. Si vous pouviez vous dépêcher, parce que je suis sûr qu'ils m'ont déjà prévu 2-3 archers. Ce qui serait vachement sympa de leur part d'ailleurs. Et puis après j'ai une carrière de pierre juste à côté là, c'est cool. Cocotte glousse. Bonjour monseigneur. Il erre mon fou du roi là. Ça devait être le métier le plus facile du monde quand même à l'époque hein. T'avais rien à foutre de ta vie. Ça devait être sympa ça comme métier. Vous croyez pas? Moi je pense en tout cas hein. Bon les mecs, vous pourriez vous bouger le cul là avant la prochaine attaque, parce que je veux dire ça monte vite cette putain de barre là. Bon, ce que je peux déjà bois faire nécessaire. Oui, je sais. Et pas grave, il y aura du bois pour tout le monde, t'en fais pas. Et j'aimerais juste pouvoir construire. Ouais, ici. Allez hop. Allez-y les mecs, bougez-vous un peu le cul. Ouais, on va refaire une maison de toute façon. Ah bah ça va, vous arrivez tous en même temps du coup. On va vous décider un peu. Voilà. Comme ça, après, il y aura de la farine. Et pour la suite, bah, je verrai. En attendant, il me faut absolument une armurerie. Tac. Ouais, je savais qu'ils avaient déjà prévu quelque chose. Je le savais. Pierre nécessaire. Eh, merde. Bah. Bon, on va faire une carrière de pierre, hein. Bon bah c'est cool, la production de farine elle va déjà commencer. Ça va plus vite que ce que je pensais, c'est plutôt sympa. Mais ah génial, toi tu tombes bien, mais alors qu'est-ce que tu tombes bien toi? Mais bordel là. Allez bouge-toi avec ton bois là. Puis arrêtez de regarder dans tous les sens avant de vous mettre à couper du bois quoi. Ouais. Je parie qu'ils en étaient tout fiers de cette espèce d'effet à la con qu'ils ont fait là. Ah, il me faudra des pierres aussi, hein. Tac. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre du bois pour pouvoir faire de la bouffe. C'est complètement con de ma part, j'aurais dû le faire tout de suite. Et je l'ai fait, c'est bon. Nickel. Tac. Au moins un boulanger pour commencer, ce sera déjà pas mal là. Et si les bûcherons pouvaient bouger leur cul là, pour de vrai quoi. Je veux dire, regardez à quelle vitesse ça monte cette saloperie. Nécessaire. Et puis il va y en avoir entre deux des ennemis hein, c'est pas genre Et là non plus, ça se bouge pas trop le cul, ça va, c'est tranquille hein. Inutile de se speeder. Ce serait con quand même. De se bouger. À quoi ça sert sérieux de se bouger? Faut être con pour se bouger. Ah non, personne n'est pressé là, hein. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Oui, je sais, mais là j'y peux rien, hein. Je veux dire, les bûcherons foutent pas une. Ils sont vraiment pas pressés. Je veux dire, regardez ceux-là, ils viennent d'arriver, quoi. Puis lui, il va faire quoi vous ici? Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Ouais, bah pas d'impôts, ça va pas durer longtemps, les gars, hein. Je conseille pas trop nous de vous habiller. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Oui, et ben mes boulangers se speedent pas le cul, donc j'y peux rien. Voilà. Est-ce que je peux faire un marché et acheter de la bouffe en attendant? Je crois que c'est ma meilleure option là. J'ai pas le choix hein.
Ouais, je vais pas avoir le choix. Pas d'impôts, ce sont des bons impôts. Voilà ouais, ma devise. Ouais, c'est cool, mais allez, hop. J'aimerais marcher, s'il vous plaît. Allez, il me faut de la bouffe. Il me faut de la bouffe. Alors, on verra ça plus tard, hein. Pour l'instant, il me faut juste de la bouffe. Allez, et puis, pour tout le reste, on verra plus tard, hein. Il me faut juste des foutus pas ateliers du boulanger. Pas assez d'ouvriers disponible pour gérer cet édifice. Et j'ai juste assez, yes. Au niveau de la farine et du blé, ça va, hein. C'est le reste qui foire complètement. D'ailleurs, la pierre, ça arrive là. Oui, ça arrive et c'est pas trop tôt. Parce qu'il me faut une caserne, enfin une... Ouais, une caserne. Ouais, ça progresse. Par contre, l'attaque ennemie aussi, elle va arriver bientôt. Et puis j'aurai rien pour me défendre, ça va être cool. Je vais adorer. Bois nécessaire. Regarde-moi ça, même le mec qui fait les pierres, là, il s'en branle totalement. C'est genre, oh, on va se faire attaquer, mais je m'en fous. Ah, oh, je m'en branle. Allez, vous me bloquez pas mon buff, là, parce que j'en ai besoin. Allez, vas-y, tu me mets assez de pierres. Ouais. Au moins un truc bien. À vos ordres. Recrue nécessaire, instruction. Eh ben, vous allez vous mettre là-haut. C'est loin. Lève là mes instructions. Comme ça, s'il y a un foutu ours qui décide d'attaquer, vous serez prêts. Bah tiens, la question du jour, je viens d'y penser maintenant, parce qu'il faut à chaque fois que je réfléchisse à la question pour savoir quoi vous poser comme question aussi, hein, c'est con, mais c'est la vérité. Si vous aviez l'occasion de jouer à ce jeu, bah, après avoir regardé ce let's play, est-ce que vous y joueriez? Est-ce que ce serait un jeu qui serait susceptible de vous intéresser? Ou pas du tout? Dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir. À vos ordres. Armes nécessaires, à vos ordres. Oui, bah les armes, ça va arriver. C'est loin. Voilà, ils s'amusent déjà contre les ours, mes archers. Ils auront pas fait chier longtemps. Et maintenant, je vais pouvoir faire des putains d'ateliers du fléchier. Bois ça va nécessaire. Pas faire de mal. Ouais, bah, le bois, il arrive, hein. Pas à la vitesse de la lumière, malheureusement, mais il arrive. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils foutent rien, quoi. Est-ce qu'ils arrivent seulement à passer? Ah bah oui, mais c'est juste que je les trouve jamais. Bon bah j'aurais déjà au moins un fléchier qui bosse. Je peux vendre des armes? Non. Donc du coup ces armes à la con que je vais jamais utiliser, elles vont rester là, c'est ça? Allez, globalement c'est ça. Ça fait plaisir, merci. Un message du serpent. Tout de suite, rapidement, je serai sur votre dos. C'est génial. Vous pouvez me dire ça sur un ton un petit peu moins sensuel, parce que là c'est troublant quand même. Un petit groupe de soldats du serpent se dirige vers le château. Or nécessaire. Ah merde, plus assez d'or. Bon. Eh bon, on va utiliser la bonne vie technique, hein. Hop, un grenier, si la gamine voulait bien se barrer. Même deux greniers. Les réserves de notre grenier augmentent. Pas d'argent dans les caisses du trésor. Et des impôts moyens. Ces impôts sont un peu élevés. Ouais, c'est un peu élevé, effectivement. Mais il faut faire avec, hein. Qu'est-ce que je te dise? Les temps sont durs, ma bonne dame. Hop, encore un et encore un. Voilà. On n'a jamais assez de boulanger dans ce jeu, de toute façon. Eh ben, le pognon, il monte un peu. Les troupes du serpent attaquent. Allez-y, mec, attaquez. Vous arrivez à attaquer les autres cons, là? Ouais, c'est bon. On a repoussé la première attaque. C'est toujours la plus dure. Après, j'ai le temps de m'établir un peu, quand même. C'est toujours, mais toujours, la plus dure, la première attaque. Et je plaisante pas en disant ça. Je déteste les premières attaques dans ce jeu.
Bon, bah, il va pas se passer grand chose hein, durant ces 20 minutes de vidéo. Moi, j'attends qu'il y ait du bois qui arrive. Mais puis, regardez où elle va se balader, l'autre conne là. Putain, vous êtes sûr que j'ai épousé ça? J'ai des doutes là, sérieux. J'aurais pris quand même quelqu'un un peu plus intelligent, je suppose. On m'a pas demandé mon avis, moi. On m'a dit que j'étais marié. J'apprécie déjà pas cette dictature là. Genre, sire, vous êtes marié, hein? Sérieux? Oui, oui, sire, sérieusement, vous êtes marié. Ah merde. Elle vous plaît pas, votre femme? Bah, disons que cette espèce de chose. C'est moyen mon style de femme. Mais moyen. Hein, peut-être qu'au Moyen-Âge c'était super cool, mais moi j'aurais pas pris ça à sa place. Enfin. Peut-être que c'est mon personnage hein, qui a choisi tout seul. Ça aussi, c'est, ils sont très doués pour ça dans les jeux. Alors, des personnages qui décident tout seuls de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Sans rien demander. Un groupe de soldats du serpent se dirige vers le château. Ouais, vous pourriez peut-être me refaire, me laisser refaire nous des hommes. Nous avons besoin de plus de bois. Hein, juste comme ça au passage. Voilà, je vais pas pouvoir en faire deux troisièmes, mais c'est pas grave. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Oui, mais pas assez vite de ce que je vois. Hein. Bon, bah, ce sera qu'un archer, mais c'est au moins un archer. Vas-y, mec. C'est loin. Eh bah, c'est peut-être loin, mais tu vagnes. Ok. Archer prêt à tirer. Parce que j'ai que 10 archers là, ça va pas aller ça. Puis vous entendez quoi par un petit groupe? J'aime pas les petits groupes, moi, hein. Petit groupe, c'est assez mortel en général. J'aime pas ça. Je sens que je vais y passer. Les troupes du serpent attaquent. Ouais, bah, je vais tout de suite voir, deux secondes, hein. Tac. Ça donne quoi? Ouais, mais attendez, ils ont même pas eu le temps de venir, les pauvres. Par faute d'avoir essayé, mais ils ont pas réussi. Ok. Pourquoi pas? Bon, ça me dérange pas, je vous dirais. Et encore deux boulangers, tiens. Et parce qu'il dit pas nos réserves de nourriture sont en hausse, sire. J'aime pas ça. J'aime pas. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Je préfère ça. T'avais plutôt intérêt à le dire et rapidement. Mais sérieux, il n'y a pas du bois ailleurs plus facile à récolter? Parce que là, tout le bois, il est à 15 km d'ici. Ah, mais il y a aussi des gens qui viennent d'ici. En fait, j'ai prévu du bois un peu partout, moi. J'étais moins con que ce que je pensais. Ça me change. Il y a du bois là-dedans? Non. Bon, bah, je vais peut-être en acheter un peu, hein, histoire que mes fléchiers puissent bosser. Mais ça va bien, là. Je crois que je suis sur la bonne voie. Bonjour, monseigneur. Et les femmes, bonjour, tout ce qu'elles font, c'est s'occuper de leur bébé, discuter, se promener. Un petit groupe de soldats jeu, en tout cas. Se dirige vers le château. Du loup, tu te fous de ma gueule, du loup. Nous okay. Perdons un peu d'argent, monseigneur. Vous pouvez compter sur une nous. Une crue nécessaire, vous sire. Vous pouvez compter sur nous. C'est loin. Allez-y, mec. Je vais avoir besoin de vous, là. Et vous avez plutôt intérêt à vous speeder. À vos ordres. Mon arc est à votre service. Ouais, c'était pas exactement ça que je voulais faire, mais ok. C'est ça loin. Aussi. C'était vous cela que je voulais faire. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Dans ton cul, ça te va comme réponse? Arrête de poser des questions stupides et t'auras pas de réponse stupide. Tu vas à la mort, comme tout soldat. Ouais, c'est cool. Y'a une shit boy qui est arrivée, là. Les réserves d'or sont trop faibles, si. Les fines lames du loup sont là. Nous sommes perdus. Mais non. Toujours ah, prêt. Sérieux. Tout de suite. Du gâteau. Allez-y, mec. Qu'est-ce qu'on peut Retenez-moi faire Retenez-moi ce truc-là. Problème. Vous allez me le retenir, oui. Et Dites-nous, vous foutez quoi, là? Allez, tous sur lui. Sans difficulté. Du gâteau. Je sais pas par où ils veulent passer ces archers là, mais. Je sais vraiment pas par où ils voulaient passer, mais bon. Ah. Ils étaient un peu cons.
Mais oui, tuez-moi mes soldats, je m'en fous un peu là. Mais oui, allez-y. Visiblement, vous êtes trop con. Mais pas mon souci, hein. Moi, je m'en fous. Pour moi, c'est pareil. Or nécessaire. Oui, ben alors, il a plutôt intérêt à monter un peu plus vite là parce que j'ai besoin de flèches. Et vu que je peux pas acheter d'armes. Pas mal. J'éviterai de vous sous-estimer la prochaine fois. Ouais, ce serait bien envoyer qu'un seul chevalier, c'est un peu con. Dites, vous pourriez payer vos impôts, bande de merde, là? Merci. Vous serez gentil. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Les caisses se vident. Ouais, bah, ils vont augmenter les caisses, là, je peux te dire. Il va y en avoir de l'or qui va grimper, là. C'est une nécessité absolue. À vos ordres. Parce que je sais qu'il va renvoyer de ces putains de chevaliers. C'est loin. Et il me faudra beaucoup d'argent. C'est loin. Enfin de... Ouais, si je laisse la partie durer jusqu'au bout, là, ça durera 40 minutes. Alors, on va quand même faire une pause au bout de 20 minutes, hein, je pense. Une bonne idée. Vous pourriez mettre tous vos arcs en même temps dans l'armerie, là, ça... C'est loin. Ça m'éviterait de faire des conneries. Et voilà, il y a de nouveau mon seigneur qui se dirige tout seul, là-haut. Ok, vas-y, pas de soucis. Fais comme tu l'entends, mec. Ah merde, juste pas assez de pierre pour faire le... Je voulais forcer à passer par en bas, mais là ça va être un peu la merde. Du coup s'il rattaque entre deux, je vais te baiser moi. Je peux acheter des pierres. Merci. Ça coûte pas trop cher encore, ça va. C'est pas cher. Pas pourquoi je fais ça avec un accent marseillais moi. Ah, elles sont où mes pierres là? Ah voilà. Non, parce que je vois que je peux faire d'autres longes à buffle, comme ils appellent ça, parce que. Bah, c'est un peu plein. Voilà. Tiens, ils ont corrigé ça. Un temps, dans l'ancienne version, les villageois se transformaient en buffles. Les réserves de notre Moi, j'ai toujours trouvé ça ultra marrant, perso. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Si, je peux installer cela ici et je te le prouve. Bordel, t'arrêtes de me contredire et tu fais ce que je te dis. Point. Non mais oh. Peut-être que je fasse un deuxième moulin, non? Ouais, faudrait peut-être. Et des bûcherons qui se bougent pas le cul, quoi. Des bûcherons qui en ont rien à foutre, j'adore ça. Ah, putain, je vais être obligé d'acheter du bois pour pas qu'il y en ait plus puis qu'ils s'arrêtent pas de bosser. M'énerve, voilà. À vos ordres. À vos ordres. Je te jure. C'est loin. Bah vous serez combien là? Bah ça commence à augmenter quand même, c'est pas mal. Puis vous deux vous allez rester à la mort ici parce que bah voilà. Parce que c'est tout. J'adore ces musiques. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Et je me demande comment encore c'est possible vu que j'en fous pas une. Mais ok. Allez hop. Allez, trois hommes adultes qui se transforment en gamins. Moi, je trouve ça chelou, mais bon. Allez-y, mec. Normalement, à deux moulins, ils arrivent plus à suivre avec le blé d'habitude. Mais c'est pas le moment de rien foutre, là. Hein, y en a du boulot. Voilà, c'est très bien. Bidez-moi un peu ce blé. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. C'est ce que tu dis à chaque fois et au final, il y en a encore. Mais bon, si c'est que ça, moi je fais des boulangers supplémentaires, hein, pas de souci. Vous la mettez où la farine, là? Bande d'abrutis? Ah mais d'accord, il y a deux trucs de farine qui sont pleins quand même. Ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais être envahi de farine, moi.
À vos ordres. Et assez vite en plus que je vais être envahi. Enfin, c'était mon choix. C'est loin. Je fais avec. C'est loin. On reste encore combien de temps? Ouais. Bon, de toute façon, j'arriverai à les éliminer déjà rien qu'avec ce que j'ai là. Est-ce que je peux faire ce que je crois que j'ai envie de faire? Oui, je pourrais, c'est ça le pire. Et après, je fais rejoindre ici. Ce serait absolument ignoble et dégueulasse, mais ça marcherait. Faut juste un que message, j'achète. Monseigneur, tenez. Prenez non, cela. Va te faire foutre avec le des arbalètes, j'en veux pas. Le dessin contenu sur ces pages vous aidera contre vos nouveaux adversaires. Nous prions pour que ce soit suffisant. J'en veux pas. Ok, ça va être complètement con ce que je vais faire là, mais bon, j'ai pas le choix. Stoink. Je veux plus que les ennemis puissent passer et ils ne passeront plus. Vous ne passerez pas. Je vais racheter des pierres une fois de plus. Éteint. Pas assez de... Un message, monseigneur. Sire, nous devons ordonner la construction d'arbalètes bon. À nos pas. Fabricants de flèches le plus tôt possible. Il non. faut être prêt à recevoir les hommes du loup. Non, j'en veux pas. C'est bon. Je suis en train de les enfermer là. Ils devront bousiller la barricade pour arriver, puis ils auront même pas le réflexe de changer d'endroit, c'est ça le pire. À vos ordres. Monseigneur. Ils auront même pas le réflexe de changer d'endroit ou arriver, quoi. C'est genre, loin. C'est ah, loin. Ah, c'est pas grave. Instruction. À vos ordres. Vous serez 28 là pour l'instant, c'est pas mal. Les pierres, elles arrivent ou je dois de nouveau en acheter? Les pierres n'arrivent pas. Ah si, elles arrivent. Les réserves de pierres sont trop faibles, sire. Oui, ben elles arrivent, les réserves de pierres. Si ça pouvait aller un petit peu plus vite, sire, ça me ferait plaisir. Bordel. Comment il m'a dit ça, lui? Les réserves de pierres sont trop faibles, sire. Ah là, je vous emmerde. Très fort. Puis du coup, il y a des gamins qui viennent jouer ici. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour venir jouer, les gosses. Sérieux. Bon, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Ou alors on fait quoi? On attend la prochaine attaque? Parce qu'il va y en avoir une prochaine, hein. C'est quasi certain, ça. À vos ordres. Oui. Je veux voir par où ils passent mes archers, puis après on s'arrête là. Je veux voir s'ils ont le réflexe quand même. Ça, ils avaient pas l'air trop cons encore. D'ailleurs, il n'y a pas d'ouverture, hein. Non. Bon, ils sont mes archers. Ils passent par où? Parce qu'en général, quand il y a une ouverture dans le mur, ils passent dans l'ouverture du mur, pas sous la porte. Parce que voilà, je sais pas si c'est une feature pour te montrer où sont les ouvertures, mais bon, j'ai toujours trouvé ça un peu con. Non, mais ils ont l'air intelligents. Puis là, monseigneur, il va où? Ah non, vous pouvez pas passer par en haut. Non, dites-moi pas que vous pouvez passer par en haut, ça va chier là. Vous allez où? Me dites pas ça ou je pète un plomb. Non, vous pouvez plus passer. Ha! Je vous emmerde bien. Voilà. Non mais sérieux, vous se prenez pour qui là? Genre, allez, Nasband, on va te montrer qu'il y a un coin que t'as pas fait. À vos ordres. Armes et bah voilà. Et bah voilà, hein. C'est loin. Vous pouvez toujours vous amuser à essayer de me montrer. Il y a une porte, vous prenez la porte et puis c'est tout. D'ailleurs, j'aurais pu faire comme ça aussi, hein, pour mieux voir. Ça marche à tous les coups, ça. Ouais, il commence à avoir du mal à suivre avec le blé. Par contre, la farine, là, ça doit être pas mal. Ouais, 61 sacs de farine, effectivement. J'ai une bonne marge. Et la pierre, ça suit aussi, c'est cool. Bah, du coup, on va quand même s'arrêter là. Pouf. Sauvegarde.
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo, mais bon, voilà, il se passe pas grand chose, je fais que poster les liens des vidéos YouTube. De temps en temps, je fais une blague dans un sujet de conversation, mais ça va pas non plus ultra soi. En règle générale, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, enfin pas en règle générale, ils le sont toujours. Donc voilà, sur ce, les clans. Sur ce, les clans, restez aussi jage que vous l'êtes déjà. Voilà, merci. Sur ce, les gens, restez aussi classe que vous l'êtes déjà. Je crois que je vous ai tout dit, donc c'était Nasband pour vous servir. Bye. Putain, mais elle est route comment, cette montagne? Tout ça pour ça, quoi. J'aurais pu faire le tour, mais non, c'est pas drôle. Vous faites vraiment ça? Mais t'as la même voix que le mec qui m'a sauvé Elgun, t'es le même? Non, t'es là. Ah ouais, c'est ça. J'aimerais tant être à la guerre, j'ai trop joué à Call of Duty. C'est bien. Voilà ce que je voulais entendre. Je peux pas supporter ces foutus elfes. Alors, au rapport.